Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce Draw Trollman Draw Show section Twitch. Aujourd'hui c'est Mehmet Chol 51 qui sera caricaturé, donc je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin de la vidéo, comme d'habitude pour les quelques petites descriptions. Nous voici, nous voilà arrivés à la fin de ce Draw Trollman Draw Show section Twitch de ce cher Mehmet Chol 51. Donc là, j'ai voulu jouer le côté sympathique. Il fait essentiellement sur sa Twitch du Rainbow Six et un peu d'autres jeux parfois. Mais apparemment, c'est principalement celui-ci. Et donc là, j'ai voulu jouer le côté où il allait chez l'armurier. Mais au moment où j'ai intercepté son stream, eh bien, il était très bien affalé sur son canapé. On voyait juste le bout du haut de sa tête, vu que la webcam n'avait pas été... Elle n'est pas réglée comme il faut, mais bon, c'est pas le problème ça. Mais ça m'a fait un peu rire et je me suis dit pourquoi pas m'amuser à jouer le côté comme ça. Et là, en fait, l'histoire du viseur mis en dessous de l'arme pour pouvoir voilà, parce qu'il est tranquille, donc il est un peu plus bas que d'habitude et donc il se permet de bien sûr comment dire bien sûr de se permet de pouvoir viser le plus bas. Donc donc voilà, donc voilà, j'ai voulu m'amuser sur ce côté-là du stream que j'ai pu voir. Donc n'hésitez pas donc de découvrir ce qu'il fait. Hein. Donc vous avez le lien en dessous de dans la description, n'hésitez pas d'y aller. Et vous pourrez bien sûr aller découvrir ce qu'il fait et ça peut vous plaire ou non. Hein. Je ne sais pas, c'est à vous d'aller voir. Hein. En ce qui me concerne, n'hésitez pas bien sûr eh bien,
à vous abonner si vous avez aimeriez avoir d'autres, bien sûr, je ne sais pas moi, d'autres personnes que je caricature sur les Dro Troll Mandro Show ou les autres choses que je fais, hein, donc les autres choses que je fais sur cette chaîne. Donc je vous invite à vous abonner, hein, puis sur abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, et que vous voulez faire, je ne sais pas, découvrir ce cher mémé Tchol à d'autres par cette caricature, eh bien, appuyez sur le bouton j'aime, donc le pouce bleu, comme on l'appelle. C'est pour le référencement. Donc, plus il y a de pouces bleus, bien sûr, plus il y a de référencement, et donc plus de gens peuvent le voir. Et donc, après, vous pouvez, bien sûr, permettre de faire découvrir ce que je fais via les caricatures, et aussi faire découvrir d'autres personnes. Ça fait une pierre deux coups, c'est drôle. C'est sympathique. Donc voilà pour ce Dro Troll Mandro Show section Twitch. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à d'autres épisodes ou à d'autres vidéos. Allez, salut à tous.